Il pouvait. Il a pas l'APM. Non, il a pas Ok. l'APO au Brimade avec de Blue Commotion. Ah, du coup, ça va être un full héros sur le Yop. Est-ce que ça va duel inti? Ouais. Duel inti. Bien joué. Et du coup, avec une retraite et le panda, je pense que c'est plié. Attends, est-ce qu'il a dû faire commotion? Enfin, est-ce qu'il a il a neutral ou pas? Là, le panda, ça je sens le panda qui va aller porter le Yop, enfin qui va double vague porter le Yop et le mettre devant et la retraite derrière. Hop, non. Je pense que c'est ça ce qui est prévu. C'est quoi le nom des équipes? Attends, Sika le meilleur et. Ah, non. Et concrètement, si c'est ça qui se passe, c'est plié. Hein. Sika tour 2, il y a un bon c'est bon, neutral. Le Yop qui devrait se Vita, ça change là. La panda lance dans le portail et il fait des panda attaques. Ça change vraiment rien. Hein. Il peut toujours double vague à là, mais porter le Yop, bah limite, il peut la tuer la KO. Enfin, en vrai, ça change pas grand chose à son tour. Ouais, dans tous les cas, Yop il meurt avec les placements portail et l'eau sur une retraite. Donc, ah non, l'hélio placera pas. Je sais pas, en vrai. Après, ils se prennent des hélios, genre. En tout cas, dans tous les cas, je pense que le panda va amener le Yop au cac. Faut qu'il joue là, faut qu'il joue le panda. What? Il va pas avoir le temps. Est-ce qu'il va avoir le temps? Move. Oh là 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 là. Oh putain. Moi, ça, je sais que je peux pas le faire déjà. Ça sent genre, les nuits qui peut rush pour aller mettre un sac à travers le portail. Je m'arrête à la moitié de son tour. S'il va aller rush, mettre un sac. Il aurait dû stab backdoor. Parce que là, il est en duel, donc Lélio va juste l'emmener, le dégager, il va mettre. Non, il va y avoir une retraite, Ça, c'est sûr à 100%. Voilà, le sac animé. Ah non, mais là, il y a une retraite, mec, hein, c'est sûr. Ah non, je pars réfléchir s'il pouvait pas, ouais, non. Des types. Il a par seconde, le panda. Le panda, par contre, qui s'est mal placé, il aurait dû rester devant la cahote pour peut-être pouvoir taper. Ouais, d'après moi. Oh non, Lélio aura juste à faire une commotion. Ça va être une retraite, je pense, et sûrement des dégâts sur le sac pour le tuer. J'avoue que s'il dégage le panda. Peut-être libérer l'hélio vers le Yop et retraite. Le panda hors du combat, ça change tellement, je trouve. Qu'est-ce qu'il fait là? Attends, il a pris la cahote, mais il est con. Il s'accèle, pourquoi? Ouais. Désinvole sac, je pense. Flamiche? Non, appelle l'hélio, bien l'appel l'hélio. Bien l'appel. Ouais, c'est bien. Zuppo qui va pouvoir tuer le sac animé et commotion le sac. Le sac il est sur la cahote. Ouais, il est sur la cahote. Non, il est en diago de la cahote. Vous avez un bug à filer, mec. Moi le sac je le vois au cac de l'énu là. Oui, fait sur la cahote. Il a pris la cahote dedans, c'est ce qu'on dit. Ouais. Ah, ok, ouais. Ouais, il aurait. La désavocavote était mille fois plus rentable. Ouais, il a pas dû faire attention. Mais là, ça va pas changer grand chose. Hein. L'hélio qui va flamish. Sûrement une commotion sur le panda pour qu'il puisse faire des vagues à l'âme aussi. Fallait des du coup. Par contre, je suis pas. Pourquoi pas retraite? Parce que là, l'élu, il va le dégager. Il a retraite. Attends, pardon, d'accord, parce qu'en fait, je suis avec le. Non, mais là, tu parles. Un gros tendel ennemi, là. Tu parles chinois, là. Non, désolé. Attends, mais. Il a rien de spé à faire, lui. Commotion de panda pour mettre des vagues, déjà. Le double ennemi, par contre, c'est très chier. Parce que même avec la retraite, il pouvait dégager les blagues d'eau. Il fait stupeur. Il se faisait étirement portail, stupeur, il rentrait dedans, il arrivait à côté. Mais le doppel s'est mis un peu mieux. Mais là, il touche pas la vague. Ouais, il touche pas la vague. Tente un perfide. Il aurait dû recommotion. Oh, mais faut qu'il le tue le sac. Bah, il a juste à faire une concentration, non? Perfide, il a pas la PO. Le Yop fait une concentration. Ça fait chier de PO quand même. Concentration, double RI. Bon, c'est pas trop gênant, je pense. Il perd juste de PA. Pire, j'étais dégoûté pour vous. Hein. Soukou, il a dû vriller sur le. Non, il est resté calme. Oh putain, moi j'aurais pensé qu'il pétait un plomb dessus. Non, même pas. Pétait un câble avec quoi? Sur le steamer du match. Hein. Et qu'est-ce qu'il y avait? Bah, le steamer il a. C'est méchant, mais il a. Ah, il se prenait West à chaque tour. Bah, il se mettait à ouais, PO, il se mettait à PO Panda. Ah, c'était du. Okay. Le steamer passait. Attends. Il va pas mourir le Yop. Hein. Il a vraiment pété un coup d'héry sur 50 PV là? Ouais, j'ai pas compris pourquoi. Et surtout, il l'aurait pas. Il y a déjà l'érosion du tour d'avant, non? C'était mis au T1, mais là c'est de la. Waouh! Un tige, je pense, avant le tour. Mais et honnêtement! Putain, mais c'est Zuppo en plus sur le Yop. Hein. Il y a un super petit. C'est Black sur le Panda et Zuppo sur le Yop, mais merde! Bien joué le souffle, très bien joué le souffle. Le Panda qui a rien d'autre à faire que tuer le Dopolani. Todalien qui a chargé sa destin, qui l'aura au prochain tour, mais qui n'a toujours pas érodé par contre.
Ils sont mal. Non, c'est pas... Ils sont plus mal à Maïro que Sylvat pour l'instant. Mais il va peut-être y avoir une corrupte là par contre. Le Schaffer. Pourquoi? Pourquoi le Schaffer? Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Enfin, à la limite, il peut éliminer le Doppel. J'aurais que j'aurais mis une vague sur les nus. Double vague les nus, tu aurais fait? Ouais. Après, je sais pas s'ils veulent garder leur pelle ou pas. Lenny qui va encore rien faire. Est-ce qu'ils vont corrupt le Yop? Je pense pas parce qu'il apprécie. Ce serait pas vraiment. Corrupt le Yop en sortie de précise, ce serait dégueulasse. Hein. Ouais, mais après, derrière, le problème c'est que t'as Feu Damien qui a 2500 et que même s'il aurait 8 PA, il peut lui faire très mal. Hein. Ouais. Lenny qui va. Ouais, qui est pas mal outplay du coup avec cette pelle. Ouais, parce que sinon je pense qu'il aurait pu avec. Le fantôme et roulage, tu as la cavotte. Notre pas apte à courir quelqu'un. Il manque un PO pour corrupt Lenny. Le truc c'est que là l'Hélio d'Amaïro c'est un peu bloqué avec sa Kawott. Est-ce qu'il va qu'il va taper Illustris? Il y a peut-être ce sac Illustris ou non, peut-être le garder pour le Yop. Mais non, attention parce que à partir du placement, attention à Feu d'Alien là. Je pense qu'il faut qu'il se sac Illustris. Ça peut très vite parce partir sur lui hein. Avec Lenny à côté. Si sac en fait c'est surtout que Lenny le saute le sac. Bah ouais, mais sinon Lenny va le taper directement, autant sac. Parce que l'Hélio là il va le défoncer et je pense qu'après il placera directement le portail pour Feu d'Alien. Alors pourquoi cette. Ah, pour éviter le coup d'Hacham, je pense. Ouais. Faire le tour. Ah, il était. Bon, il a raison. C'est bien joué. Alors, est-ce que Zuppo peut. Moi ouais, je vais couper le canal guide parce que c'est vraiment des dingueries. Le canal guide c'est vraiment de la folie. Ah, moi je t'explique, j'ai enlevé. Moi je pense que là les nus de silhouette peut tomber, hein, largement. Non, mais je vois des trucs genre couru les nus adverses, mais ils sont pas rendus compte, il y a une pelle, un doppel, enfin il y a plein de trucs devant. Il voulait désinvo la pelle et couru après. Mais pas la pelle. Elle tombe jamais la pelle. Ouais, elle mourrait pas. Alors que va faire l'Hélio? Est-ce qu'il a un tour intéressant? Notre Hélio, faut qu'il ressorte les nus. Il peut aussi bloquer le portail en soi. Hein. Faut qu'il fasse l'un ou l'autre. Il fait genre double brimade, enfin il fait commotion en diago de l'appel et ensuite il la brimade dans le portail. L'objectif de notre Hélio c'est de sortir les nus de là-bas. Ouais. Ou d'éviter qu'il se prenne un tour, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il a prévu? Bah si. Ah non. Ah il place des portails pour le Yop. Et ça l'éloigne en même temps des portails de... Après, honnêtement, quitte à choisir, si on perd notre ennemi et qu'il perd leur Yop, trop bénef. Hein. Notre ennemi mourra pas là, je pense. Je pense pas qu'il meurt non plus, mais si au choix on devait faire un trade... Parce que, attention, à Leslie qui... Là, le Yop... Déjà, la Feu d'Alien ne tue jamais... Leslie va le gifler, là. Pourquoi s'il est rentré? Notre Yop, il a la destin, non? Ouais, faut qu'il le bouge. Il va pas faire passer l'ennemi dedans. Pression à travers le portail là. Ouais. C'est sûr. C'est l'érosion. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'il éloigne le Yop du portail de. Mais notre ennemi va mettre la courue de sa vie là. Ouais. Ça va sûrement mettre la courue de portail, sa vie là. Sur l'Hélio. Pression à travers le portail, puis il va à gauche. Il pourra pas se faire taper par la paquette. En vrai, je sais pas. Courue Hélio ou courue Eni. Courue Eni, je sais pas. Eni, je pense, pour empêcher le soin. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, mais l'Hélio est quand même entre les deux quoi. Si ouais, mais t'as Feu d'Alien avec 2000 Vita max, sous Vita. 3004. Avec 2000 Vita, pardon, sous Vita. Ouais. Il est pas bien. Ouais, Par contre, je trouve que Black Dofus est mal placé là. Il va sur les nus. Ça, je trouve pas ça très rentable. Leslie pourra aller. C'est pas bénéf. C'est vraiment pas bénéf. Hein. La Leslie t'as pas à travers les portails. Mais attends, non, il y a un mauvais relink. Pardon, j'ai rien dit. Il a encore le sac, non, notre nu. Il l'a pas lancé, le sac. Ouais, il l'a pas lancé, mais il l'a encore. Du coup. Ouais. Précis comme ça. Waouh. Non, c'est vraiment pas bénef ce qu'il a fait là. Attention, peut-être esquiver la corrupte du Yop là, avec le panda. Sinon, ça va être une corrupte sur Black Dofus. Faut que notre panda il dégage leur ennemi et qu'il le porte. Il porte le Yop. Il y a aucun. Il peut pas, hein, sauf avec un panda dans le cul. Ouais, il est à clé. Ça marche aussi, mais il me semble qu'il a pas la chance. Il a peut-être chance. Hein. Il faudrait c'est mettre un Wasta. Wasta. Il pourra Wasta chance courir. Wasta il lock les types au passage, c'est bénéf. Ouais, il faut Wasta. Souillure et sûrement un Wasta à côté de la caméra. Ouais, si c'est Wasta pour les 3 PA. Non, pas de Wasta.
Qu'est-ce qu'il fait? Il maîtrise. Ça maîtrise. Bizarre, hein. Bizarre ça. Après, en soi, il peut pas aller type sur Yop. Hein. Tu penses pas avec la chance? Il rentre dans le portail 2 et il tourne dans le 4. Hein. Ah bah dans ce cas, il fait pas de corrup. Plus important à corrup pas que. Pas de corrup, pas de corrup. Non, je pense pas. Il est pas assez de PM pour détacler NU plus. Il va chance. Avec la chance et... Il a la chance. Il peut rentrer en portail. Il va rentrer. Ah bah... Après, il a pas corrup le Yop. Moi, je corrup le Yop à sa place là. Ça empêche le combo de silhouette. Il la met pas. Il peut pas courir, je pense. Il doit perdre 3-4 il doit perdre 4 TA. Il perd 4, moi je pense. Bah, c'est pour ça que la maladresse était mal jouée. Si, non, si. Il perd 2 TA. Ah, ouais, donc il peut courir. Pas de corrup. Pas de corrup. Oh, excellent, pas de corrup. Corrup le. La ah, c'est un retour. Attends, mais notre Elio il peut pas grave placer pour le Yop là. Mais il est emmerdé. Ça va être chiant. Alors, Illustris qui va sûrement libé sac. Debuff un coup, c'est rentable pour virer un tour de Vita. Ouais, le debuff. Lenny qui ne pourra encore une fois rien faire de son tour. Vraiment, elle est bénef la retraite. Hein, pour... Enfin, elle est pas gênante ouais. En tout cas. C'est sûr. Bénef, c'est un grand mot, mais pas gênante. Genre, on se fait vraiment chier sur aucun perso. Fin... Il va sûrement se sac au devant lui. Ouais, il faut qu'il sac, mais devant lui. Voilà. C'était même pas sûr que le sac était obligatoire parce que, en soi, qui le tapait à part le Yop qui sort de Précy? C'est pas, c'est quand même plus, c'est non, c'est quand même plus rassurant d'avoir le sac. Après pour ouais. Moi il aurait du chaos devant lui parce que le Léo va lui commotion, double commotion et Bremad genre pour le coller à côté du Yop. Ouais mais le Yop il a qu'une destin, il sort de précis. Il a un souci précis, il a plus la destin. Non, et mais il a un terrasse vita le Yop parce qu'il perd une vita à son tour. Ouais. Il perd une vita à 912 poubelle... à son tour, hein. Il est à 900 vita là. La poubelle de Will Smith a pris un 4-0 écras par la Helio Robe de Bouchko. Ouais ça je sais, il y a 1-1 je crois pour l'instant. Ce que j'avais prévu. Ouais ça va sûrement finir en victoire de Pushko. Oh, pour moi ça tombe en nul. Ça c'est bien joué, ça esquive une éventuelle corrupte sur l'Helio au prochain tour. Ouais. Mais faut dire que nous on l'a la corrupte. Ce qu'il aurait pu faire c'est Kawot, Odyssée et attirer l'Helio pour qu'il ne fasse rien sur Manotenu. Notre Inu va falloir qu'il corrupte leur. Corrupte leur Helio pardon. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, t'inquiète. Le Renu va sortir de retraite, le nôtre va être pile avec CPM, normalement un peu. Et le sac qui va mourir. Ouais, 100%. Mais c'est pas le Yop qui va. Et là, il y a sûrement Black Dove qui va en profiter pour se booster. Avec des divines. Là, pour moi, notre Renu, il va. Comment? Il va courir le Helio et il va rentrer en portail pour remonter tout en bas. Je pense que le corrupt Eni pour empêcher la recon est mieux. Il va jamais chercher la ligne. Pourquoi? Ça s'il se fait après... duel. Ah, le duel du Yop pourrait être intéressant. Pour empêcher une corrupte à part sur l'Helio. Après, c'est bien un mec corrupte, c'est l'Helio, je pense. Hein. Et là, si l'Helio est corru, fin du game. Il corrupte l'Helio et Miss Mort place. Enfin, Miss Mort place tout. Et... Fedalien qui va sûrement soit duel Vita, soit Destin Vita. Moi, je vois plus il un duel. Hein. Il a déjà Destin tour d'avant. Bah, et duel Vita, je pense. Le duel sur les nus est vraiment rentable. Je sais pas. Parce dans tous les cas, dans tous les cas, pour moi, il rejoue pas. C'est ça. Attends, il va pas se vita. Ouais, il reste 4 PA. Il peut duel. Il y a une distrib. Ouais. Ah non, attends, c'est quoi? Oui, il y a une distrib. Okay. Il va sûrement duel là. Voilà, le duel. Ça change rien. Pour... Il rejoue pas. Je pense que ça change rien. 1100 PV, il passe les portails. Le Yop, à la limite, il va même passer dedans. S'il faut, mais il le tue. À 8000%. Le panda, il va sûrement filer des PM au Yop. Ouais. Les nukes, il va vraiment pas faire grand chose. Pourquoi non? Ça peut être intéressant. Hein. Comme bah ça. Il peut pas. Bah si, peut. Il a la ligne 2. Il y a le Doppel, non? Mais il a la ligne 2 là, il vient de tuer le Doppel. Bah non, il va pas faire ça. Non. Je pense pas que c'était nécessaire les PM. Du coup là, ça va être les nukes qui va sûrement faire quelques roulages. Là, Miss Mort, il va rentrer dans le 2. Miss Mort rentre dans le 2, il descend, il replace son 1, au revoir. Ouais. Je pense qu'il va être à court de PM. Oh, ah, fils de pute. Bien joué ça. Les roulages qui vont sûrement être lancés sur le roulage de PLOS, ça. Ça va être corrupt double roulage, je pense. Ou juste taper le Yop, hein. Le Yop, t'as 1100 vita. Il peut très bien corrupt l'Helio, taper le Yop. Par contre, ça va être une reconte du Yop. Là. Sauf s'il bloque. Il a moyen de bloquer avec un truc dans la diago du Yop. Enfin, à côté du Yop. Mais le Yop, il la reconte ça rien. Là, il le recompte vraiment jamais, hein. Ni au Revita. Mais il fait émo d'envol sur l'Helio et il recompte.
Mais ça a rien à voir. Il y a 2400 PV avec un tour d'Elio au portail, c'est fini. Hein. Ouais. Et bon, il passe son tour à faire ça. Je pense qu'il va quand même aller reconprève, moi. La recon qui va en plus taper Illustris, au passage. S'il fait pas prêve recon, franchement ça va me... Ah tu l'as, voilà il le fait pas. Ah si, bien joué. Je sais pas pourquoi il a utilisé, enfin il a fait comme ça. Prêve recon là. Enfin, Timu, prêve recon. La recon va faire mal hein. Il ne recon pas. C'est très mal joué ça. Très très mal joué de ne pas recon. Attends. Bon là il faut pas que l'Elio se fail. C'est tour Elio mais avec 6 PM il va avoir... en chien le beau. Je pense qu'il a prévu un truc. Il a juste à faire en sorte que... Que le Yap en empruntant il... Ah non ça va être compliqué là. Ah, il y a un chien, je pense qu'il peut placer sur quelqu'un d'autre par contre. Sur les nus après. Voilà, sur les nus hein. Ça, les nus ne meurent pas, c'est pas rentable je crois. Non. What? Full bagage. Bon bah là. Ça va bien joué! Non mais il le tue pas je pense. Souffle, il lui reste 4 PA. Y'a plus d'héros, tu crois qu'il le tue? Il est en précis. Mais il a pas de. On va voir. Double anti-destin, je pense. Mais ça tombe jamais, mec. 2000 PV? Tu penses que ça tombe? Bah, vu l'érosion. Non, en vrai, non, il tombe pas, moi, pour moi. Mais le Yob va pas se tourner sur quelqu'un, quoi. Enfin, il va pas se tourner sur notre Yob et pas les nus. Ouais. Le panda, il kill. Enfin, le panda va le. Fais chier, y'a une carotte de mort. Le panda, il peut emprunter le portail hein, et dégager le. Changera la carotte, il va faire des éthylos. Il a le dans le cul. Feu d'alien. Putain, il casse les couilles avec sa vita, bordel de mort. Là, ouais, ça va falloir faire quelque chose parce qu'il y a une corrupte qui va péter. Il est dans le portail, non, il serait pas mort. La corrupte, ouais. Le panda peut très bien faire attends, en sorte. Mais il peut pas vague en portail là. Non, non, il y a un mauvais lieu. Les nus qui est mal quand même. Hein. Là, je pense que le panda, ce qu'il fait, c'est qu'il emprunte le portail. Il tacle les nus. Non, il tacle les nus. Il va falloir qu'il tape les yop. Hein. Moi, je suis pas sûr que tacler les yop soit la meilleure option. Pas tacler les yop, pardon, faire qu'il tape dessus. Ouh là 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 là, les grosses vagues à l'âme là. Les nus qui est taclé. Il n'y a pas la chance, le dopal est où? Et surtout Illustris qui peut emprunter les portails pour se barrer. Il va mettre il va équipe notre yop. Il va ouais, il peut équipe le yop, ensuite prendre la diago debuff sur feu d'alien, emprunter le portail et derrière il se fera certainement je pense vraiment qu'on est bien. Ouais. Oui et non hein, les nids peut recon encore une fois. Il doit tuer la kawotte mais il peut recon. Et l'Oriap a deux vies, une vita. Ouais, il a 2000 PV. Il est prêt à les rejoindre là. Non, non, on est bien, vraiment, on est bien. Je pense que là, ça va être Diago, debuff Yop, et type le... notre Yop, et emprunter portail et finir sur le portail. Non, il est hors game s'il fait ça. Ouais, là, il peut pas debuff. Mais il a intérêt à bouger avec ses 1300 de vie. Hein. Je suis d'accord, ouais, mais faut. Ça va être type. Débuff pas, et type. J'aurais dit. Bon, non, c'est pas si mal joué, je pense, parce qu'il la perd autour du Yop. Hein. Non, non, mais notre Yop, il a une vita aussi. Hein. Il a une vita à 1000. Hein. Ouais. Boîte de Pandore, il l'a pas. Le truc, c'est qu'il s'y passe pas en portail, il va se faire gifler. Et bon, ouais. Ouais, mais il va finir hors game, quoi. C'est le portail 1 qui est en game. Le Lio va jouer. Ouais, ça va, à la limite, il pourra repartir sur le 4. Dopal aura bougé. Ouais. Moi, ça place. Putain, à 1 PM près, il aurait pu aller claquer notre shop. Hein. Attention, alors là, ça va se faire. On aurait tué la KO. Ouais. Là, mais c'est le KO pour la tuer le tour d'après. D'air rigole. Et pourquoi pas la reconce ? Qui va très mal. Oui, ça va recon là. Même c'est pas il a la confiance. Il est au courant que là c'est bon, c'est fini hein, son Yop. Par contre, hein, il va manger un debuff. Il va se faire passer dessus par notre Yop. Par contre, notre Elio est bloqué là. Je sais pas trop ce qu'il a prévu.
c'est bizarre. Voir ce qu'il va faire. Attention quand même, Black Dofu qui va peut-être devoir s'éloigner là. Allez, fais ton tour, vite, 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 vite. Il passe pas avec 10 PA quand même. Il finit pas son tour. On va mettre sur les vidéos. 10K au moins. Ouais. Pas très transcendant le tour du. Alors, Black Do qui va peut-être relancer une Vita. Il est obligé. Et. Lélio va passer dessus. Attendez, il aura une Vita. Vita, bon, Lélio, il est en train de portail, non ? Attends. Bizarre ça. La commotion, elle... je comprends pas trop. Je comprends pas. Mais il va se Vita bon, je pense. Bah ouais. Vita bon, il va prendre du panda pour que le panda puisse le porter. Vita archi chiant. Vita bon à côté du panda. Hein. Bon, là, qu'il va encore tacler le. Il prend le portail. Hein. Il peut bon à côté du coffre. Un petit et il emprunte. Ah, il emprunte, mais il aurait dû. Ah, il va se faire full par les lions. C'est ça. Il avait le... Attends, mais il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, mais il a pas le. Le panda qui va certainement encore full tacler les lions. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Okay. J'arrive. Il faut empêcher la corrupte sur les lions là. Notre Enu qui, vu que les deux portails sont bouchés, c'est pas mal, il va pouvoir revenir vers ses alliés. Et surtout se faire recon en zone par les lions, hein, je pense. Hein. C'est là l'Axel, ouais. Ça peut être pas mal. Des dégâts sur Black Dofu, mais pas très gênant. Putain, casse-toi Lino, t'es chiant. Putain, il casse les couilles ce mec. C'est bon, je l'ai muté. Il fout la haine, il foutu la haine. Attention, elle est sneakée quand même à 2700. Il va pas tacler les nus. J'ai loupé quoi, moi? Du coup, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Le panda qui se pend dans le cul. Ça va, c'est pas mal. Est-ce qu'il a la chance, les nus? S'il peut se chance, aller corrupte les lios et ça serait non, très gênant parce que... Il a la chance T4, je crois. Concrètement, si c'est le cas, on est mort. Hein. Si c'est le cas, Black 2 est mort, ouais. Ouais. S'il peut chance et corrupte les lios, c'est plié. On peut, pourra vraiment rien faire. Après, les nuques va pouvoir revenir prendre les portails, mais il pourra pas empêcher. Je comprends pas pourquoi ils ont toujours pas posé Wasta. C'est tellement handicapant sur la nuit. Non, c'est bon, il doit pas l'avoir vu qu'il fait ça. Ouais. 912 de Vita qui vont partir hein, s'il y a un debuff sur le Yop. Là, notre ennemi, il a juste à le debuff. Un debuff, ouais. un debuff, normalement, ça kill avec le rock de la fantôme. Je pense qu'on est bien. Lenny va soigner derrière. Bah ouais, mais regarde Lelio comme il va full le yop. Là, je pense que là, Illustris il a tout intérêt à emprunter le portail. Illustris, il atterrit tout en bas et après il emprunte les portails rouges. Oui, voilà. Il passe, il debuff yop et il est mort. Non, il y aura Lenny qui va jouer, mais. Ah oui, il y a Lenny qui joue bien. Le debuff reste rentable quand même. Ouais. Boîte. Il va même passer dans le portail de Miss Mort normalement. Ouais, et il va y avoir une zone recon. Freeze. Debuff. Ou E-type peut-être. Il va peut-être plutôt E-type. Moi j'aurais plus tendance à debuff. J'aurais mis mon debuff moi. Ouais, moi aussi. Il était peut-être pas serein, il pensait peut-être que Black Dofu allait mourir. Après, attends, ils vont se mettre en zone à front, ils vont se faire vraiment refou là. Ouais, ouais, c'est pour ça que le type c'était pas forcément essentiel. Attention à pas rester. Mets-toi en zone à front. Ouais, c'est bon là, c'est bon, il s'est bien placé. Ils vont vraiment se faire fou, ça va être ignoble. Ça va être deux affronts plus une 6K limite. Vraiment, c'est de l'abus. Ou c'est clair que là y a pas photo, il pose un portail, il rentre dans le par tiers, contre, le debuff est vraiment dommage parce que Feudalien aurait pu tomber. Hein. Non, ça va parce qu'au final, regarde leur yop, tu leur enlèves 1000 vita. Il est à 2000. Hein. Ouais, je sais, mais. Notre yop, il est large au-dessus. Hein. Attention à ne pas perdre quelqu'un bêtement. Là. Non, je pense vraiment qu'on a de l'avantage. On a une courue qui va repéter, nous. Non, il a couru tard. Voilà, ça va être fou. Non, on a une retraite, c'est combien le cooldown déjà que c'est pas mal, hein, je crois. Et n'oublions pas que Amahiro a toujours sa corrupte, donc il faut faire très attention à la corrupte. Ouais, on arrive à bien l'esquiver. Ouais, par contre, là, il fait trop bien par le lapin. Ouais. Un petit peu. Sinon, il aurait pu rentrer. Bah, je pense qu'il neutral le 3 et tu rentres dans le 4. Ok, tu rentres dans le 4. Il va en poser un double soin.
Non, il va rentrer. Pourquoi tu rentres pas? Non, je serais rentré, je pense. Après, il va rentrer. Il va rentrer là maintenant. Non, mais il aurait dû rentrer dans le bleu. Quoi? Ça fait une zone de soin énorme. Je comprends pas pourquoi il a fait ça par contre. Est-ce que c'est pour esquiver? Vous pensez que l'Hélio outplay quelqu'un? Qu'il a fait ça? Il fait toujours mettre Blackdo à Biborn en haut là. Ouais, c'est ouais. Ça. Après, Illustris qui ne va pas tomber là. 2600, ça m'étonnerait qu'il meure. Mais encore une fois, attention à la corrup, la chance revient là sur le. Attends. Sur les nuits. On est au tour 7 et encore 0. Oh, il fait quoi lui? Il vient de tuer son yop. Ouais. Tu n'es pas mort là. Putain, Lino, casse-toi là, t'es chiant hein. Putain. Mais il a la coco, pourquoi il a pas bon coco? Oh là là. Il a pas bon. Attends, mais il risque de mourir là. Vas-y, putain. Je mange dans un merdier, dans un cul de sang. Attends, mais il va y avoir un mort là. Pourquoi il a pas coco? Il tuait pas, mais là. Il tuait pas, mais il mourait. Mais attends, feu d'alien. Non, feu d'alien est bloqué. Il a 3 PM. Il relance encore une Vita. Non, le tour de Lio au final était pas mal parce qu'il a mis la pression sur Blackdo qui pouvait vraiment pas y aller derrière quoi. Avec 2300 sous Vita, c'était vraiment trop risqué. Tour de Leslie, et là, à mon avis, ça va être une corrup. Et la corrup, ça ferait mal. Il faut esquiver la corrup, je sais pas comment il peut faire ça. Comment tu veux qu'il corrup? Avec une chance, simplement. Bah, moi je pense qu'il fout une KO derrière la pelle et il colle les nuits et se stab. Et les nuits, il fait plus rien. Ouais. Mais est-ce qu'il va y penser? Ou encore mieux, il stab la. Ouais, non, faut en sachant. Je pense qu'il faut faire ça, hein. Moi je mettrais un Wasta. Faut mettre un Wasta là. Le tac, il est important. Toujours pas de Wasta. Ça risque vraiment d'être la corrupte sur Blackdo là. Pourquoi il met jamais son Wasta? Bah, si il corrupte Blackdo, c'est pas non plus. C'est gênant, c'est bah, focus. Si, c'est... oui, c'est le focus, mais il y a notre Enu qui est mal aussi. C'est le focus, mais l'Enu pour les types. Mais il sera. Ouais. Bah, non, l'Enu peut pas s'auto-équipe. Non, il peut équipe Blackdo. Qui est quand même vraiment. Enfin, genre. Attends. Putain, non, mais Lino là, c'est. C'est Takeya là, ils sont chiants. Ouais, non, mais là, ça limite, attends, Elsa, tu peux pas les virer? Tu peux pas bloquer? C'est vraiment chiant. Blackdo qui dit c'est perdu. Non, pas de corrup sur le yop là. Ah si, ouais, c'est fini. Il y a quelqu'un qui souffle fort là. Corrup. C'est Elsa, Elsa arrête de souffler. Attendez, par contre, là, Zuppo, ce qu'il peut faire en sortant. Ah non, c'est le portail 1 tout là-haut, dommage. Vraiment dommage. Est-ce qu'il a l'Axel pour s'éloigner? Normalement oui, il l'a jamais claqué. Faut qu'il s'éloigne là à fond. Quoi? Il va mourir. Move, move. Bouge là. Ouais, il bouge. Mais là, l'Hélio... En plus, les portails de Zuppo qui sont vraiment bien pour l'Hélio. N'importe comment. Non mais là ça va être très compliqué d'esquiver. Attends, je vois pas comment il veut faire en fait. Le panda qui peut tomber aussi, hein, il est à 2600. Ouais ça. Bon après il est sous picole, feu d'alien, est-ce qu'il est boosté feu d'alien? Il n'est pas boosté, il a juste 100 de puissance, 110. Et puis autant. Et il est reparti full HP. Ah, là c'est plié pour Mayaro je pense. Bien sûr. Ah, il va dégager le gars. Super bien joué. Il y a toujours le portail 1 là-haut de l'Hélio qui va permettre. C'est pas vraiment bien joué. Hein. Non, non. Mais c'est parce quoi que ça peut être. Non, bien. Non. Nati, il décale et pose un portail. Hein. Ouais, mais il y aura pas de portail directement sur Illustris. C'est surtout ça qu'il faut voir.
Là, comment il fait là? Il repose un portail. Non, non, parce que s'il repose son. Attends. Étirement. Il va reposer dans l'an. Il va mettre sur Zuppo simplement. Oh. Non. Ou alors il rentre simplement. Attendez. Vas-y, putain, c'est de la dinguerie ça. Ah ouais, t'as un chat, t'en fermes ta gueule, t'en fermes. Il a fail hein. Ça va être des épées du hop? Non, ça va suffire, je pense. Ouais, c'est plié là. Il va double épée job, il rentre, il termine. Derrière non. Non, c'est fini. Enfin, attention quand même, au yop. À la redirection, il va le gifler. Ah oui, non, mais là, il est mort, oh. Illustris, c'est sûr. Ouais. Mais est-ce que le yop ne meurt pas derrière? Avec qui? Il meurt par qui? Bah, il va y avoir Black Dove. Il tue pas. Hein. Il va jamais faire des messages. Ah, ouais, il tue pas. Ah, il tue pas. Mais les nus. Ça change rien. Les nus tue. Le panda, il a pas l'axel? L'axel, le panda dans le cul? Le panda dans le cul change rien. 3, 4, ça change. Le mec dans le cul, il l'a pas. Un peu qui aux atos. Bah, non. Les bambous, un PA. Les atos, je sais plus. Picole et souillure, vite. Bien joué la souillure. Non, c'est une vulné. Fallait souillure, Mais est-ce que les nus elle a porté d'ici? Ouais, je pense. Je suis pas sûr. Hein. Ah, y'a le doppel. Il a le doppel. Il fait pas les 200. Il peut que lancer de pièce. Ah, franchement, avec humidité, le doppel, tu l'es nu. Hein. Il tue pas. Par contre, là derrière, par contre, si Illustris ne meurt pas. C'est l'IB du Yop, le Yop est dans le portail. Hein. Si Illustris joue, il se fait PLS. Le Yop. Et ouais. C'est normalement, il a la Pandore, il a le retour sac. Ouais. Est-ce que lui peut courir? Non. Il tue pas. Doppel tue pas. C'est bon. Y'a pas de musique, c'est bizarre ça. Et toi? Non, mais t'es vraiment chiant, mec. T'es un gamin. Ouais, lui, c'était Takeya à la suite. C'était Takeya. Ouais, mais même, vous êtes relou quoi. Ça casse les couilles. Ah, mais là, je l'ai pas mis, j'ai pas mis. Il a pas la relance corrie, Démon, dis pas des conneries. Bon, il est prêt. Ah, mais qui m'a mis là? Je l'avais même pas mis dans la musique. Ah, mais Lino, vas-y, ferme ta gueule. De toute façon, j'ai mis du PNL dans le stream. Ouais? Ouais, je te jure. Le sac, ça c'est bien. L'IB peut-être. La retraite, l'IB? Non, pas de l'IB. Ça, je suis pas fan. Non, Léo le tue. Si. Miss Mort, il peut soigner. Ah ouais. Non, c'est très bien joué. Mais par contre, le Yop ne mourra pas. C'est vraiment tendu comme match. Très tendu. Ouais, c'est un match sur 8, encore 0 mort, c'est chaud. 0 mort contre 2 team Helio, c'est effectivement bizarre. Hein. Gros avantage à Mayuro, mais on a leur Yop qui va. Hein. Et là, il va se prendre des jugements et des épées de Yop. Sachant que notre Yop est Cupi et chance, hein. Il peut avoir très mal la Fedalien. Alors j'ai loupé quoi parce que il lui bien est joué, là-bas. Bien joué. Donc, la retraite, il y a eu une retraite de Illustris. Wow. Et en plus, Illustris qui, je crois, a la relance de la Corrup et qui peut désinvo sa Kawot et Corrup l'Helio derrière. Hein. Et si c'est ça, le match serait plié. Là, mais l'Helio peut remettre une Kawot. Il aurait la neutrale. Inchil, il pense pas. Par contre, les nus. Les nus, c'est défoncé par contre, prochain. Il a pas fermé le portail. Iskil ne peut pas mettre feu d'alien. Qu'est-ce qu'il fait? T'as entendu? T'as dit quoi? Il fait quoi là? Les nus peut taper dans le portail là. Hein. Il bégaye. Les nus peut taper dans le portail. Oui, justement, il a pas fermé le portail là. Il aurait dû fermer le. Ah, oh, c'est bien joué, c'est bien joué. Très bien joué. Du coup, ouais, pas de dégâts. Ouais. Illustris, il meurt, non? Il y a le sac encore. Ouais, bah, le problème, c'est que Lenny va taper dans le portail. C'est bon, c'est pour ça, je comprends pas pourquoi il a pas fermé le 3 et le 4. Ouais, bah, je sais pas. Il aurait dû. Après, déjà, Leslie il va à Westar. À côté de Miss Mort, enfin, pas loin. Ça ira sur Lenny, hein. Ah, mais même. Ça change rien. Bah, ça fait claquer toujours
1-2 PA. Oui. Et une énième vita sur feu d'alien là. Ils peuvent indiquer plus de PA en fait s'ils me voient pas vu qu'il y a le Miss Mort et qui va bloquer. Il fait 2 frayeurs. Ça, moi, après, contre, le Yap, clairement... après Lenny ne va pas tuer. Oh l'erreur! Grosse erreur là! Il peut plus taper dans le portail, Lenny! Ah non, il peut tuer la Kawat, Oui, mais attends, ah oui, 14 PA la Kawat. Ouais, mais il pourra faire qu'un fracassant, il pourra faire des déroutants. Mais surtout, il y a toujours le sac en vie. J'ai loupé quoi? Rien, le. Rien, faut Wasta Lenny pour contre, peut-être. Allez, il veut pas Wasta un jour celui-là? Voilà, le Wasta enfin, sur Lenny. Un bon endroit en plus. Lenny pour rentrer dans le portail encore. Lenny, il va faire un match de peine. Lenny rentre dans le portail, ça changera quoi, gros? Il peut pas cac, on est bien. Je crois s'il a la PO. Lenny, je pense qu'il va fray la KO. Non, il pourra faire qu'un après, fracassant. Il faut qu'il envoie une pelle, hein. S'il envoie une pelle qui part dans le portail, c'est pas chier. Il faudrait surtout que. Des invoques quoi? L'appel de l'électrice va bouger, hein. Elle va pousser Lenny. Déjà, il va devoir libérer. Bien joué. Je viens de dire. Ah, ouais, ça va commence faire du 300 sur les lios. Commence pas à dire des choses. Ah, mais même pour après, faudra buter là. Tandis que s'il l'avait laissé comme il était. Ouais. Non, mais là, va falloir kill. Là. Va falloir vraiment kill. Bah, les nus, ils passent bien du temps en face. Bah, ils ont leur ennemi. Ah. C'est pas correct. Des lios. Un debuff de la Vita. C'est pas débile ça. Vraiment pas. Un des Vita sur la gueule. Limite, il retape hein, derrière. What the Pandor, ouais, bien. Et Flamish, je pense. Il a 1900 de... Les gars, il a 1900 de... Ah, mais Lenny, il était même pas attaqué. Il a le sac encore. La merde ce qu'il a fait. Ouais, il a encore le sac. Enfin, il va largement tanker Lenny, mais. Bah, si, nous, c'est éviter qu'il fasse le tour. Mais ça enlève le cac. Il part le tour, il est pas attaqué. Ça enlève le cac, on a dit. Non, mais je parle de du Yop bleu qui a fait de la merde, pas de. Pas du Pama. Mais Lenny, il a massure quand même. Ouais. Il détaque full hein, Wasta. Il tue le sac. 3 PA, il reste. Non, moi je le vois à 7. Non, 4. Moi je le vois à 7. Hein. 7. Là, 3 ouais, maintenant. Il en a 3 là. Ça va être la mort d'Illustris, mais derrière. Non, pas qu'on survit là. Pas forcément, hein, peut-être que. Miss Mort a peut-être un tour pour défoncer le Lio. Hein. Le Yop, pardon. Est-ce qu'il a pas un tour pour défoncer le Yop de. Il y a les Lio entre temps. Ouais, c'est vrai que Lini est vraiment dérangeante. Il aurait dû odisser son le coffre. Après, je vois pas comment il va le chercher, comment il le fait. Mais après, ce qu'il peut faire là, c'est de dégager pas bien. Ça, ou alors faire un trade avec les nus pour obliger les Lio à. Ouais. Je pense que j'aurais mis plutôt à accentuer des portails vers les nus pour tenter le trade. Ouais, mais le problème, c'est attends, il a cramé le stup, les lios. Hein. Je sais pas ouais, comment surtout il va... que là, ça sert à rien là. Là, moi, pour moi, les lios, je fais full tour sur les nus. Il y a pas la relance de duel pour Black Dofu? Non mais il tue. Ah, je suis pas sûr qu'il tue. Hein. Ah, là, Là, le premier mort, le dixième tour. Ouais, non, Zupo, je pense qu'ils auraient dû mettre la pression sur les nus, en fait. Elle avait dit que sur le long terme, leur compo était beaucoup mieux au bleu. Ouais, mais on sait, mais ça a été mal géré. Qui sont de ouf. Ouais, mais c'est juste mal géré, gros. Feu d'alien qui va jamais tomber. Faire une guitare le prochain. Ouais, mais ça change rien. À part notre Helio, il n'y a plus rien. Non, mais là, c'est juste. Il a pas fait de recours, non? Non, mais leur ennu, il a une couru là, non? Non, mais le panda, le tacle. Non, il a pas. Non, il l'a pas, il a lancé quand lui? Il a élevé le corrupt. T6, T7. T6, je crois. Le Yop, un tour. T'es tombé tellement tard. Leslie qui va pas tomber là. Non, mais pas loin. Putain. Bon, 2-1 pour un Maguero. Dans 4 minutes, il y a le prochain match. Ouais, dans 4 minutes, il y a le prochain match. Par contre, ils doivent jamais perdre normalement. Ouah, ça tue. Par contre, il y a eu un tour un fake de fou de l'Hélio là, dès qu'il a corrupt. Je sais pas pourquoi il a pas placé de portail sur l'ennemi. Ils veulent trop focus le kill Yop. Ils auraient dû retoucher autre chose. Enfin, pour moi, tu repassais sur un autre focus. Ouais. Est-ce que c'est fini après là, selon vous? Ouais, c'est fini. 1000 fois. Ils sont en 2 contre 3. Là, il a pas de Le panda, il meurt là.
Bah ouais, il a pas picole quoi. Avec la picole, il survivait peut-être. C'est... Non, je pense pas. On peut courser le PA là. Il y a un équipe sur Feudalien. Derrière Lenny qui joue. Il a pas les PA. Il a 4 PA. Ah, il a 4 PA. Sûrement un sac. Enfin, c'est du sac, je pense. Et sur E2. Ils avaient vraiment une très bonne initiative quoi. L'aurait eu avant le Sutiloat et l'Aurelio juste après. Moi les mecs, j'ai pas dans ce pas. Il y a Ninja Warrior qui a commencé sur TF1. Comment je m'en branle. Regardez le stream. Et moi je fais là je suis Zupo, limite je fais full dégâts sur le Yop et comme ça le sac meurt. Et derrière t'as quand même un ennemi à 1800, le Yop à 1300. Ouais mais un 2v3 quoi. Ouais. C'est intuable hein, Eni Elio Inu. Ça risque de finir en 3-1 pour Mayoro. Ce serait tellement con de perdre, putain, sérieux. On t'entend pas très bien encore. J'ai dit ce serait tellement de con de perdre. Oh ou Ango il parle tout doucement. C'est tu parles pas fort. Il a fail, il aura récupéré. J'ai rien dit. Je comprends pas, son ilo il le récupère pareil. Mauvais link. Ah non, il avait neutral. Son ilo, on est d'accord qu'il récupère exactement la fin. Oui, l'ilo peut. Gomo son arachné, il le ramène. Trop. Bah, il va dégager l'ilo du coup. Je pense que c'est le principe. Ouais. Par contre, attends. J'aurais fermé le 4 avant. Ouais, j'ai de la merde. Il y a des canards qui. Voilà, c'est plié à 100%. Vini, Elio, Enu. Du coup, je pense aller en B12. Pendant le match. Celui-là est malheureusement fini. Attends, voilà, il va tuer le Yop là. Double anti-destin. S'il a le temps. Yop. Double anti, s'il te plaît, rentable. Ok. Il avait passé à 2 PA. Il avait pas la destin. Mais si, il l'avait. Mais... Putain, mais c'est honnêtement sur Yop, merde quoi, putain. Zupo il est sur Yop. Zupo il est sur Yop, il foire, c'est incroyable. J'aime beaucoup. Ouais, tout le monde qui rage, putain d'autiste. Putain, ça me dégoûte. Ça aurait rien changé en soi, mais Ah non, ouais, mais tu... au moins tu grattes des points. Bah ouais. Du coup, c'est en B12 le prochain. Parce que là. Avec, au lieu de faire des concentrations, il faisait des intis sur les 20% avec les dopous, oui, plus le destin, c'est largement mort. Il crevait. Sauf qu'il a les animations activées. C'est vraiment pas normal hein, que la team Elio elle est en 1-3 là. Enfin, elle est en 1-2. 1-2. Elle est en une victoire de défaite. Bah, nous aussi, on est la team XL, on est en une victoire de défaite. Le premier match, vous y pouvez rien, le deuxième, c'est juste. Enfin, le troisième, le Steam Movement. Et oui, en soi, c'est pas normal non plus. Faut espérer le 2-2 avec la team Eni. Hein. Ouais. Allez, une bonne Eni. Je sais pas pourquoi ils font pas jouer VK1. Parce que VK1 il écoutera rien. Il écoute personne, il en fait qu'à sa tête sur le placement et tout. Ouais, mais je pense qu'il jouera un peu mieux que Zupo, tu vois. Après, je vais m'arrêter là parce que sinon les gens vont encore dire qu'on rage sur le stream. Mais non, mais c'est pas ça, mais moi je préfère Zupo quand même. Mais le truc c'est que j'arrive pas à comprendre comment tu peux fail en Yop quoi. Bah, le truc c'est que c'est pas son main Yop. Ouais, mais c'est pas. Et pourquoi Black Do ne joue pas en fait, simplement? Black Do est sur le panda. Bah, ouais, mais pourquoi. Tu peux pas jouer deux comptes dans le même combat. Ouais, je sais. Ça, je suis d'accord. Oui. Mais pourquoi, juste simplement, pourquoi il. Attends, il meurt, Feudalien, non? Petit aparté.
Fudalia meurt. Vita en moins. Non, il meurt pas. Il perd une Vita, il est à 1700, il y a la Destin. Non, non, Lelio le ramène. Ah oui, j'avais pas vu qu'il allait jouer. Ah enfin, ouais, il ramène, oui. C'est... Pour moi, Lelio ramène. Hein. Attends, voilà. Mais il va avoir du mal, non? Faut qu'il étire, non? Comment il fait pour le ramener, Lelio? Faut qu'il étire, il a pas le temps. Oh putain, il est trop con. Bon. Il va être double anti-Destin et... Il meurt normalement. Ok, donc il perd le. Type, en vrai, si le match est plié, je pense, mais bon. Oui. Ils avec... Putain, il s'en sortait tellement largement normalement, c'est un avec truc de barge. Eni et nu, largement qui perd. Pour le deuxième match, initiative. Enfin, pour le dernier match, initiative neutre, on va dire. Il est lancé? Ouais. What? Il a foutu quoi? Faut qu'il se vita là. Mais comment ça, il kill pas? Si, non, mais il y a la Vita qui part, calmez-vous. Ah, ok. Pourquoi il va à côté de Lenny? Si. Attends, mais pourquoi il est allé à côté de Lenny? Corus, je pense. Non, mais là. Pourquoi il est allé à côté de Lenny? Bah, moi, je vais regarder le match de Lenny. Oh là là, mais c'est trop mal joué ça. Mais il va se faire défoncer? Je comprends pas. Il y a une Vita qui saute, il est mort. Je te promets que le coffre a fait plus. Bon bah les gars, maintenant priez pour que Lenny s'en sorte. Bon. Ok. Alors... Après une défaite okay, c'est attends. Pas. On n'est pas. Attends. Quoi? Je sais que le Fatalo sera en bad, quand je vois les res neutres en face, il va plier des mers. Hein. Le Sadi il est à 12%, le Feka est à 14%. Ah oui, je préfère carrément les Eric au Srambad, j'ai pas pris la prise des Srambad. Il a pas pris des Srambad. Il y a pas d'esquive en plus. Mais gros, il a 4 écrits, tu vois où les Srambad? Il a dit ça, c'est pas qu'il a dit. J'ai dit, il a des Eri. T'as dit Srambad, je crois. Non, j'ai dit des Eri. Non, t'as dit Srambad, mec. Sûr à 100%, t'as dit Srambad. Bah, je peux vous dire sur vous. On verra sûrement au replay, mais je suis sûr que t'as dit Srambad, mec. J'irai qu'on regardera, pire. Et je vais le mettre. Attends, regarde, le stream il est en décalé, je mets le son. Starf, je me suis entendu le dire. J'aurais. Ok. Ah, ta gueule. J'ai dit une connerie, putain. Ouais, je dis des trucs que je sais, mais. Oh, c'est trop. Alors que c'est moi qui ai forcé pour qu'il soit heureux, je suis un débile. Ouais, mais non, mais ça arrive. Mais le problème, c'est quoi t'as dit? C'est quoi t'as dit? Non, je suis sûr, j'ai dit ça mal. C'est moi qui veux venir avec Elsa et moi sur l'autre. Voilà, bah, Lino arrive. Okay. C'est quoi l'autre? Bah, c'est la FPCSS contre FCS. Ok. Bah, je move. Bon, je me retrouve solo pour finir la fin de match. Parce que je vais vous mettre le match en entier avec le manquement du début de la team C. Du coup, pour mes viewers. Vraiment dommage cette défaite, Lini a beaucoup joué je pense. Elio après Elio, c'est toujours embêtant. Mais il y a eu quelques fails, c'est sûr. 1000 de Vitamax le Yop. Putain, la violence du truc. Ouais, il se place pour se faire OS rapidement. Et ça va être la mort de Zuppo. Pas obligé de troll les gens. Voilà, donc fin du match et je vais passer tout de suite sur le dernier.